Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui d'un homme de l'ancienne Europe, grand diplomate mais aussi grand séducteur. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le prince de Metternich, grand diplomate autrichien, aura somme toute passé sa vie à lutter contre l'esprit insufflé à l'Europe par la Révolution française. Nous évoquerons longuement le diplomate en compagnie de mon invité, l'historien Patrice Guénifet. Mais avant cela, c'est l'éternel amoureux que j'aimerais vous raconter. Et avec Lorena Martin, nous partirons ensuite sur les traces de Metternich, puis Franck. Vous nous livrez, puisque nous sommes vendredi, votre coup de cœur. Eh oui, le coup de cœur du vendredi. Comment mieux terminer la semaine, au demeurant, qu'en compagnie d'un homme de la classe, de l'élégance de Metternich, un aristocrate jusqu'au bout des ongles, et qui disait qu'en Autriche, l'homme commence au baron. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Franck Ferrand. Vers 1819, le peintre anglais Thomas Lawrence, vous connaissez mon goût pour les portraits de cour, Lawrence immortalise le puissant chancelier autrichien Clément Metternich, c'est comme ça que nous l'appelons en tout cas nous en France. L'homme d'État est saisi dans son fauteuil de velours rouge, uniforme et bas de soie blanche, toison d'or autour du cou, le regard est droit, un regard bleu impénétrable, le front haut, sous des cheveux qui sont en train de se clairsemer, de se raréfier, des cheveux clairs au demeurant. Le portrait fort aristocratique de cet homme nous montre un personnage plein de prestance, attaché à la tradition. Il faut dire que Metternich est issu d'une vieille et noble famille de Rhénanie. Il a consacré sa vie à combattre les idées révolutionnaires et à combattre ensuite l'Empire napoléonien, bien entendu. Encore aujourd'hui, son nom reste attaché au fameux congrès de Vienne, le congrès de 1814-1815 qui a complètement réorganisé l'Europe après la chute de Napoléon. Il y a modéré dans ce congrès un certain nombre d'appétits de vengeance et il a contribué sans doute, Metternich, à dessiner un nouvel équilibre européen. Mais derrière cette figure donc de grand diplomate qui en impose, le tableau de Lorenz laisse nettement soupçonner un autre aspect du personnage, l'aspect séducteur. L'inconstance aussi peut-être de Metternich, sa frivolité, qui sait. Après tout, le charme est sans doute le meilleur atout des diplomates. Il faut revenir une vingtaine d'années en arrière, si nous voulons vraiment saisir le personnage. Le 27 septembre 1795, Clément est encore un jeune homme, il a 22 ans, probablement maussade et le cœur lourd, il a la tête ailleurs. Pourtant, ce jour-là, il devrait être dans un tout autre état d'esprit, et pour cause, il s'apprête à épouser Marie-Éléonore von Kaunitz, héritière de la puissante famille du prince von Kaunitz, célèbre chancelier des Habsbourg, qui vient de mourir, d'ailleurs, quelques années plus tôt. Les noces sont célébrées dans la résidence d'été de la famille, somptueuse résidence, dans un village de Moravie, qui à l'époque porte un nom absolument inconnu, puisqu'on est en 1795, c'est Austerlitz. Si Clément n'est pas à la fête, c'est parce que la mariée n'est pas vraiment jolie, il faut bien le dire. Et puis surtout, le jeune homme est encore épris de celle qui est son premier amour, une belle immigrée française rencontrée durant les années de formation du jeune homme à Mayence. Mayence, autant dire le pays des émigrés français pendant la Révolution. Pour Clément, accepter un mariage de raison, c'est s'ouvrir les portes de la haute société viennoise, ce qu'on appelle la Erste Gesellschaft là-bas à Vienne, vous savez. C'est aussi, disons-le, redorer le blason familial, parce que la fortune de son père a été cisaillée, si l'on peut dire, frappée de plein fouet par ces ravages de la Révolution française sur la rive gauche du Rhin, bien sûr. Clément a pu, heureusement, compter sur les relations de sa mère pour arranger ce mariage dont il faut bien dire qu'il est providentiel. Mariage difficile à négocier, le père de la mariée a mis de rudes conditions, que sa fille reste vivre près de lui à Vienne, que son futur gendre renonce à toute carrière diplomatique de son vivant, pas de concurrence au sein de la famille. Bref, le mariage a été célébré, le couple a rejoint la capitale autrichienne et maintenant
Clément a ses entrées à la cour. Il fréquente les grands salons de la capitale autrichienne. Il étudie les sciences naturelles, tandis que Léonore va donner naissance à leur premier enfant. En 97, le beau-père vient à mourir. Le jeune homme, libéré de ses serments, accepte un poste de ministre plénipotentiaire à Dresde. Voilà ce que nous dit Charles Zorgbib. Pour la première fois, Metternich se sent vraiment libre. À Vienne, il était épié par les derniers cercles de la famille Kaunitz et par leurs amis, partout présents dans cette capitale des Habsbourg. À Dresde, il découvre un îlot de libertinage et l'adulation des salons pour un jeune diplomate à la pose romantique. Oui, il y a quelque chose déjà de romantique chez ce jeune homme. Ça lui donne toutes sortes d'idées, n'est-ce pas ? Il passe par une forme d'accord avec sa femme. Il le raconte lui-même d'ailleurs. Nous nous promîmes de rester fermement attachés l'un à l'autre et pour le reste, nous décidâmes de ne pas entraver notre indépendance réciproque. En termes élégants, ces choses-là sont dites. Voilà, un mariage libre. Clément va très vite savoir en faire usage, d'ailleurs. Il tombe d'abord sous le charme d'une jeune beauté russe, la princesse Catherine Bagration, qui est la femme du fameux général, bien sûr, elle a 20 ans. Et très peu de temps après leur rencontre, elle va donner naissance à une petite fille qu'elle appelle Marie-Clémentine. Comme un aveu, certes discret, mais quand même assez gênant pour Clément. Le diplomate ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il devient bientôt l'amant de la duchesse de Sagan, une femme qu'il sera amené à revoir. Et puis en 1803, il est affecté à Berlin. En 1806, à Paris, il s'installe à ce moment-là rue du Faubourg Saint-Honoré avec sa petite famille, accueil chaleureux de la capitale française. Il est de toutes les fêtes. Paris loue le charme, la conversation, le français irréprochable de cet ambassadeur âgé tout juste de 33 ans. On parle tellement bien français à Vienne que pour un ambassadeur, c'est facile. Metternich en profite. Il va faire de ce Paris qui lui ouvre grand les bras un poste d'observation des forces de l'Empire napoléonien, mais aussi, mais surtout, de ses faiblesses. Il rencontre tous ceux qui comptent dans la capitale française. Talleyrand, bien entendu, mais un certain nombre d'autres personnages. Il noue des relations intimes avec un certain nombre de femmes influentes, dont la propre sœur de l'empereur Napoléon. Mais oui, Marie-Caroline, celle qui est mariée au prince Murat. Voilà ce que raconte Constantin de Grunewald. Le diplomate a trouvé en la sœur de l'empereur une source incomparable pour ses renseignements. Rien ne peut lui échapper de ce qui se passe à la cour. Est-ce que c'est le seul charme qu'il trouve à Caroline ? Sûrement pas. Les conquêtes parisiennes de l'ambassadeur aux boucles blondes ne vont pas s'arrêter là. Il multiplie les entrevues nocturnes près du pont de Neuilly avec Laure Junot, épouse d'un personnage très important de l'Empire. Encore une source d'informations précieuses, me direz-vous. Et lorsqu'en 1809 éclate de nouveau la guerre entre la France et l'Autriche, il doit rentrer à Vienne. C'est la défaite autrichienne, lourde défaite. Cette fois, on va en parler d'Austerlitz. Le jeune diplomate bénéficie de la crise politique qui suit. Il est nommé ministre des Affaires étrangères. C'est la consécration pour lui. Son premier rôle, ça va être de plaider pour l'apaisement avec l'empereur. En tout cas, dans un premier temps. De la symphonie numéro 4 de Beethoven sur Europe 1. Restez avec nous jusqu'à 15h. Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Clément Metternich. La suite, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, avec vous, nous parlons des amours tumultueuses du grand ministre et diplomate autrichien Clément Metternich. Vous nous l'avez dit il y a un instant, il est maintenant rentré en Autriche, où il est désormais au pouvoir. Il œuvre au réchauffement des relations avec la France. Du coup, comment il va se comporter avec Napoléon ? Il n'a pas trop le choix. Hein. Vous savez, l'Autriche a été carrément mise à genoux par la France. Et Metternich comprend qu'il n'a qu'une chose à faire dans un premier temps. C'est de gagner du temps en espérant trouver un jour le bon moment pour reprendre le combat. Et pourquoi pas porter l'estocade ? Parmi les faits marquants du rapprochement austro-français, est-ce que j'ai besoin de vous le dire ? C'est la négociation du mariage de Napoléon avec l'archiduchesse Marie-Louise de Habsbourg. Hein. Napoléon a divorcé avec Joséphine qui ne pouvait pas lui donner d'héritier et donc il va épouser Marie-Louise d'Autriche. Vous imaginez ça ? Événement essentiel pour les équilibres européens de l'époque. En revanche, dès que Napoléon va commencer à montrer des faiblesses, c'est-à-dire quelques années plus tard seulement, vous pouvez compter sur Metternich pour essayer d'accélérer sa chute. Lors d'une célèbre entrevue à Dresde avec l'empereur en juin 1813, Metternich serait allé jusqu'à dire à Napoléon: « Vous êtes perdu, sire. J'en avais le pressentiment en venant ici. Maintenant, j'en ai la certitude. » Ça a dû être très très dur. Les faits vont évidemment donner raison à Metternich face à la coalition européenne de trop, si je puis dire. Napoléon finit par s'effondrer. Il abdique une première fois le 6 avril 1814, à la plus grande joie de la duchesse de Sagan, qui a été la maîtresse de Clément et avec laquelle il a renoué. Elle-même est une femme très influente, très introduite dans les arcanes de la diplomatie européenne. Or justement, le congrès de Vienne s'ouvre le 1er novembre 1814. Les dirigeants européens doivent décider là du sort de la France vaincue, c'est le but du congrès. Mais alors qu'autour de la table, les négociations piétinent, chaque soir, Vienne revêt ses habits de lumière. On se presse dans les salons, on se presse au théâtre, à l'opéra, on s'amuse, on danse jusque tard dans la nuit. L'atmosphère est telle que le prince de ligne dira « Le congrès ne marche pas, il danse ». Quant à Metternich, s'il a besoin de toute son énergie pour jouer son rôle de cocher de l'Europe, comme on le surnommera, sa vie amoureuse, une fois de plus, va virer au feuilleton sentimental. Je cite à nouveau Charles Zorgbib. La compétition s'aiguise entre les salons et les hôtesses. Wilhelmine de Sagan et Catherine Bagration sont concurrentes et voisines. Metternich n'a que quelques mètres à franchir pour passer de son actuelle maîtresse à son ancienne passion de Dresde, la mère de sa fille naturelle, la fameuse Marie-Clémentine, rappelez-vous. Le temps est à l'orage entre Clément et la duchesse de Sagan. Leur relation, certes déjà tumultueuse, qui alimente toutes les conversations mondaines, cette relation va finir par se fracasser en plein cœur du congrès. Certains auteurs décrivent alors un Metternich au cœur brisé. Mais, à en croire Carlos d'Aguila, il aurait assez vite apaisé ses tourments. Je le cite, « Au congrès de Vienne, sa liaison avec la comtesse Julie Zicky absorba tellement que le marquis de la Tour du Pin, membre de la délégation française, écrivait son indignation à Louis XVIII. Qu'attendre d'un ministre qui, dans la situation la plus solennelle où puisse se trouver un homme, ne s'est employé la plus grande partie de son temps qu'à des niaiseries ?» Ça, c'est ce qu'il fallait dire à Louis XVIII. C'est peut-être pas ce que pensent tous les Viennois. En tout cas, le congrès avance. Il s'achève en juin 1815. Les délégations quittent Vienne. Entre-temps, il y a eu le débarquement de Napoléon, les 100 jours et Waterloo, bien entendu. Les amours de Metternich semblent s'apaiser un peu, au moins jusqu'au prochain sommet qui va se tenir à Aix-la-Chapelle en 1818. La ville allemande voit débarquer de nouveau toutes ces délégations européennes qui ont pris l'habitude de se fréquenter et qui se connaissent bien maintenant. Le congrès donc se tient à Aix-la-Chapelle et Metternich va y faire la connaissance de Dorothée de Liévin, qui est mariée à l'époque à l'ambassadeur russe à Londres. Leur première rencontre est glaciale. Il la trouve d'une maigreur désespérante et elle le juge de son côté froid et désagréable. Une dizaine de jours plus tard, au détour d'une conversation sur Napoléon, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont finalement pas si éloignés. Ils s'éprennent l'un de l'autre et Dorothée, passionnée de politique, est littéralement subjuguée par les récits que peut lui faire le chancelier de ce qui est en train de se passer en haut lieu.
C'est Henri Valoton qui nous décrit la scène. La comtesse est fascinée par le conteur, dit-il. Le prince est quant à lui enchanté par son auditrice. Il n'a plus 45 ans, elle n'a plus 33 ans. Ils ont à peine 20 ans l'un et l'autre. Napoléon Ier vient de faire deux nouvelles victimes. Le temps du congrès, on s'enflamme. Metternich écrira plus tard à Dorothée, « Tu es venue dans ma loge, tu as eu la fièvre, tu m'as appartenu. » Dorothée quitte le congrès pour Bruxelles. Metternich, n'y tenant plus, la rejoint. De nouveau, des entrevues très intenses. Dès lors, les deux amants vont en secret et pendant des années échanger toutes sortes de lettres. Ils se retrouvent parfois dans les coulisses d'un certain nombre de réunions au sommet jusqu'au congrès de Vérone en 1822. Ah, ça c'est le congrès qui scelle leur rupture. C'est amusant de raconter la diplomatie européenne à travers les atermoiements de Monsieur de Metternich. En 1825, Madame Metternich, la femme de Clément qui lui aura donné de nombreux enfants, rend son dernier souffle. C'est la fin d'une union de plus de 30 ans, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle aura été tout de même assez originale, quoique. À peine deux ans plus tard, la nouvelle cour dans les salons viennois, Metternich serait prêt à se remarier. Mais oui, le 5 novembre 1827, il épouse Marie-Antoinette Leykam, qui est une ravissante blonde de 21 ans issue d'une petite noblesse et dont il est éperdument amoureux. Le choix du chancelier autrichien fait jaser. Dorothée de Liévin, vous savez, l'ancienne maîtresse jalouse, se répand en mesquinerie. Rien n'entache pour autant le bonheur de Metternich, qui pour la première fois de sa vie, finalement, savoure les joies d'un mariage d'amour. C'est tellement mieux, hein. Cette douce félicité conjugale est de courte durée, puisque quelques mois plus tard, en 1829, la jeune épouse va brutalement décéder après avoir donné naissance à un fils. Et cette fois, là, on peut dire cette fois que Metternich est atteint profondément, qu'il est meurtri. « La plus terrible catastrophe vient de fondre sur moi », écrit-il. « Ma vie est finie. » Finie ? Oh non, pas si vite. Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Clément Metternich cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez, comme chaque jour, réagir à cette émission. N'hésitez pas à poster vos messages sur les réseaux sociaux, la page Facebook au cœur de l'histoire et Twitter avec le hashtag ACDH. La suite, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors c'est une émission partagée entre politique et amour hein, aujourd'hui, puisque vous nous racontez l'histoire de Clément Metternich qui vient d'être veuf pour la deuxième fois. Sa vie est finie, en tout cas c'est ce qu'il écrit à oui, ce moment-là. C'est ce qu'il pense le plus sincèrement du monde. Simplement, on n'en finit pas si facilement avec l'amour. Maintenant Metternich a la cinquantaine bien avancée, mais enfin c'est encore un bel homme. Et c'est dans son cercle d'amis que cette fois il va s'éprendre d'une jeune brune. Elle a 27 ans, elle est fougueuse, elle est hautaine, elle s'appelle Mélanie de Ferraris. Et c'est un mariage, elle est la fille d'un riche hongrois, elle, de son côté. C'est un mariage qui va faire du bruit, bien sûr. Mélanie, assez rapidement, a gagné la confiance de Metternich, mais disons-le, elle lui cause aussi pas mal de tracas. La jeune femme a un caractère impossible, et puis elle est dépensière, elle oublie, si je puis dire, de payer les fournisseurs, elle tyrannise ses domestiques, bref, animal revêche, si je puis dire. Mélanie n'en est pas moins dévouée, fidèle. Elle reçoit au nom de Metternich, elle s'intéresse de près aux affaires de son mari. Et d'ailleurs, elle écrit qu'elle souhaite devenir bien plus qu'une femme aimante pour son mari. Si l'on en croit Constantin de Grunewald, elle se glisse parfaitement dans le rôle de la parfaite collaboratrice. Je le cite. Dans le domaine de la politique comme dans tous les autres, l'aide de Mélanie était pour lui inappréciable. Les secrets de la chancellerie n'existent pas pour elle. Tous les rapports passent entre ses mains et l'on va jusqu'à prétendre qu'elle assiste cachée derrière un rideau, crayon et carnet en main, aux réceptions des représentants des puissances étrangères. Vous imaginez ça ? Au mois de mars 1848, vous savez que c'est le printemps des peuples, hein, ça commence à aller très mal un peu partout, et notamment à Vienne, où gronde la révolution, dans les rues jusque sous les fenêtres du chancelier. On crie « Abba Metternich », parce que c'est contre lui que se concentre l'agressivité populaire. On veut la tête du ministre, et voilà que le cocher de l'Europe, il a 75 ans maintenant, va devoir, tel un brigand, s'enfuir à bord d'un fiacre, déguisé sous une fausse identité, un peu comme l'avait fait de Paris
le roi Louis-Philippe lui-même. Après un temps d'errance, la famille Metternich s'installe à Londres, où Mélanie s'est employée à trouver une maison digne de son mari et digne de leur famille. Les Metternich renouent immédiatement avec leur grande vie, leur grand train mondain, bien entendu, tandis que Clément continue à suivre de loin les événements qui agitent l'Europe. L'exil prend fin en 1851. Ça y est, l'ex-chancelier, certes affaibli, n'en regagne pas moins Vienne, où il va pouvoir de nouveau recevoir, etc. Il n'a plus de fonction officielle, notons-le, à ce moment-là. Il n'est pas rare qu'il recroise un certain nombre de ses anciennes maîtresses, un peu comme des fantômes. Il y en a quelques-unes, quand même. Surgit d'un passé tumultueux. Constantin de Grunewald évoque la duchesse de Liévin, dont je vous ai pas mal parlé, produisant l'effet d'une aïeule descendue de son cadre, dit-il. La princesse de Bagration, bien sûr, momie trottinante, donnant l'impression d'une vieille folle avec son corps squelettique et ses 5 ou 6 cheveux jaunes. C'est d'une violence. À la fin des années 50, elles vont toutes mourir l'une après l'autre, mais c'est la disparition de Mélanie, de sa fidèle Mélanie en 1854, qui va définitivement plonger Metternich dans une mélancolie inconsolable. Le Don Juan assagi semblait avoir trouvé, on peut le dire, le repos, le havre, la compagne de sa vie. Il va mourir 5 ans plus tard, le 11 juin 1859, juste entre les batailles de la campagne d'Italie, vous savez, les batailles de Napoléon III, Magenta et Solferino. On peut dire que ces deux batailles, un peu avant Sadova, vont marquer le glas, la fin de l'Autriche impériale et impérieuse, de l'Autriche indomptable qu'avait connue, soutenue et défendue Metternich, d'une Autriche qu'il aura somme toute aimée et dont il n'aura pas vu la chute. Bonjour Patrice Guénifet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer ce grand personnage du tout début du 19e siècle, ce grand personnage de la saga napoléonienne, un peu malgré lui. Et de l'histoire européenne. Et de l'histoire européenne. Oui. Alors, oui. On va venir à l'histoire, oui. Bien oui. Sûr. Moi, j'ai été très léger sur le compte de Metternich. Ça fait partie de Metternich. Mais ça fait partie de sa vie, personnalité, hein. De sa vie, de son image, de son héritage aussi. Il était un homme qui savait vivre, comme on disait autrefois. Il était définitivement et jusqu'au bout un homme d'Ancien Régime, oui. Et pour qui Comte et Fleurette faisaient partie de la vie, voilà. Les aventures sentimentales, les... Il a cette légèreté qui était propre à l'aristocratie d'Ancien Régime, même si chez lui il y a toujours eu quelque chose de mélancolique qui tient au fait qu'il est le spectateur d'un monde qui s'en va et qu'il regrettera toujours et qui est le monde de son enfance, en particulier parce qu'il est originaire de cette région, la Rhénanie, qui est un carrefour. C'est pas vraiment l'Allemagne, c'est pas vraiment la France, mais c'est un peu la France quand même, c'est pas vraiment le sud de l'Europe, mais c'est pas non plus le nord de l'Europe. Et pour lui, il s'est toujours senti européen, même s'il a été le fidèle serviteur de l'empereur d'Autriche tout au long de sa vie. Donc il y a ça, il est attaché à cet ancien régime, finalement assez plaisant, qui était l'Allemagne rhénane. Oui, cette Allemagne des principautés, voilà. Souriantes, oui. Gracieuses. Du Saint-Empire. Voilà, avec beaucoup de culture, beaucoup d'élégance. Oui, voilà. Oui, ouais. Plutôt ouverte aux échanges. Et ce qui fait que très jeune, il a cette phrase que pour moi, l'Europe est une patrie. Et sa patrie. Alors, quelles sont, parmi toutes les femmes que j'ai littéralement égrenées pendant ce récit, quelles sont celles qui ont le plus compté, d'après vous? Quelles sont celles qui ont été les vrais complices de sa vie? Probablement la Wilhelmine de Sagan. Oui. D'abord parce que c'est sans doute avec elle qu'il a connu vraiment la passion amoureuse. Elle était très versée. C'était une passion charnelle, doublée d'une passion intellectuelle. Tout à fait, doublée d'une passion intellectuelle et qui surtout a duré très longtemps. Alors il a aimé aussi la femme du général Bagration, bien sûr, mais probablement c'est pas la même chose. Elle avait pas la même tête politique. Et puis la princesse de Sagan le rattachait à tout ce qui comptait en Europe. Parce qu'elle était, elle, d'une famille tout à fait étonnante, hein, la duchesse de Courlande, qui a été la maîtresse de Talleyrand. Sa sœur Dorothée de Courlande a été la nièce par alliance. Mm-hmm. De Talleyrand avant de devenir sa dernière maîtresse. Il l'a accompagnée au congrès de Vienne, justement. Voilà, exactement. C'est une famille étonnante. Probablement, c'est la passion qui, pour lui, a le plus compté.
parce qu'elle a été la plus durable, la plus sensuelle, et celle qui le rattachait à une grande partie de l'aristocratie européenne, qui lui ouvrait toutes sortes de portes dans différents mondes. Voilà, je pense que c'est la celle qui a le plus compté, oui. Oui. Monsieur Metternich n'était pas seulement un joli cœur, évidemment. Il était d'abord un esprit assez extraordinaire. Il a, on peut le dire, dominé la politique européenne de son temps. C'est ce qu'avec vous, nous allons voir dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Nous sommes au cœur de l'histoire jusqu'à 15h d'un homme politique, d'un diplomate, Clément Metternich. Et nous découvrons cet homme, cet amoureux des femmes et de politique. Grâce à votre invité, vous recevez l'historien Patrice Guénifet. Oui, alors Patrice Guénifet, nous avons évoqué l'homme d'Ancien Régime, le bon vivant et disons-le, l'amant insatiable, oui, qui a connu beaucoup de grandes amours dans sa vie. Il n'y a pas que cela chez Metternich. Quelle est sa formation d'abord ? Qui l'a éveillé aux questions de la diplomatie ? D'abord, il vient d'une très ancienne famille, ça a été dit, vous l'avez rappelé. Il a été, bien sûr, introduit à la diplomatie par son père, qui exerçait de hautes fonctions auprès de l'empereur d'Autriche, et qui l'a introduit dans la vie diplomatique à partir de 1801, donc à un âge très jeune. Donc on peut dire qu'il a une sorte de prédestination pour la diplomatie, il va y entrer naturellement. D'abord, il accompagne son père dans différentes missions à Bruxelles, etc. Puis son premier poste à Dresde, dans cette Allemagne dont il est originaire et qu'il connaît bien. Le fait qu'il soit rhénan lui-même de Coblence l'a mis en contact avec un certain nombre de ces émigrés qui, dès 1789, quittent la France. Oui, bien sûr. Coblence, c'est le foyer même de l'émigration, plusieurs milliers de Français qui viennent là. D'ailleurs, c'est là qu'il va connaître son premier grand amour auprès d'une de ces Françaises émigrées. Et il va concevoir de toute façon une aversion définitive pour la Révolution dès l'année 89, lorsqu'il est inscrit à l'université de Strasbourg. Et il est témoin des premières émeutes révolutionnaires dans cette ville. Et il en conçoit une aversion pour les troubles populaires et pour les idée de la Révolution française qui ne le quittera plus de son vivant. C'est là que se forge cette espèce de haine de la Révolution. Qui tient aussi à sa personnalité. C'est vraiment un aristocrate d'Ancien Régime et vous savez, les jugements sur sa personne ont été généralement négatifs. La morgue, le côté hautain du personnage, son côté même souvent désagréable une fois traversé les apparences du beau causeur et de l'homme de salon, tout cela a laissé des marques et il a été généralement assez détesté par ses contemporains. Donc il a cette aversion pour tout ce qui est populaire, qui bien sûr va être renforcée par le spectacle des violences à Strasbourg, puis par la fréquentation des émigrés à Coblence. Et donc on peut dire qu'à 25 ans, sa religion est faite. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ne le quittera plus. On peut peut-être ajouter à cela le magistère de son propre père, Monsieur de Metternich, père qui évidemment n'est pas tendre avec la Révolution. En plus, bien sûr, vous l'aviez rappelé, les inconvénients de la Révolution pour la famille Metternich, c'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup dans l'invasion de la rive gauche du Rhin. Donc tout cela fait qu'à 25 ans, il est un ennemi irréductible de la Révolution. Il admire l'art de vivre du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. Je pense que nous l'avons suffisamment dit et montré. Il aime aussi la politique du XVIIIe siècle. C'est un homme qui admire le grand ministère Choiseul, qui admire Konitz, Riedberg, qui avait été l'artisan du retournement des alliances, c'est-à-dire de l'alliance entre les deux grandes puissances catholiques qui étaient l'Autriche de Marie-Thérèse et la France de Louis XV. C'est-à-dire que dans toutes ces... Bon, la diplomatie est faite de sinuosités et de variations, il faut s'adapter aux circonstances, mais il a toujours eu cette conviction que le grand moment de l'histoire européenne au XVIIIe, c'est l'alliance franco-autrichienne de 1756. Et au fond, il a rêvé d'être le nouveau Konitz, qui rétablirait cette alliance, y compris à un moment donné, avec Napoléon. Parce qu'il pense que c'est la clé de l'équilibre européen face à ce qui pour lui est une menace qui n'est pas la France. Il a d'ailleurs de la proximité intellectuelle avec la France et sa civilisation. Il a été en poste à Paris voilà. au grand moment de l'Empire. Oui, tout à fait. Et pour lui, le danger, c'est la Prusse. D'abord, c'est la grande rivalité austro-prussienne et c'est la Russie
ensuite à l'Est. C'est-à-dire qu'en fait, il est convaincu que la douceur de vivre alémanique, oui, et plus particulièrement la puissance autrichienne, sont mises en danger par l'hégémonie appétits, prussienne, voilà, et par les appétits russes. Et russes. Oui, 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 il a le sentiment, et que la clé, c'est l'alliance des deux grandes puissances catholiques, que sont la France, même devenue révolutionnaire, et l'Autriche. Alors, on peut dire aussi, peut-être, que Konitz, vous voyez le lapsus qui est intéressant d'ailleurs. Ils sont un peu les mêmes. Oui, ouais. Que Metternich a vu l'ennemi de l'intérieur, si je puis dire. Parce que quand il est à Paris, il fréquente ce qu'il y a de plus proche de l'empereur. Hein. Il est vraiment dans les cercles immédiats de Napoléon. Et il fréquente Napoléon lui-même. Lui-même, d'ailleurs, oui. Parce que Napoléon le reçoit très souvent. Au départ, les relations sont très froides et vont se réchauffer un peu. Napoléon aimait parler. Et donc, il trouve en Metternich un causeur extraordinaire, qui lui convient très bien. Et puis Metternich, au départ, est très hostile à Napoléon. Il le considère comme un usurpateur, un antéchrist. Mais il va être séduit par l'intelligence extraordinaire du personnage, sans se l'avouer totalement. Mais quand même, il est un peu séduit par le personnage. Quand vous dites qu'ils se rencontrent, c'est dans le cabinet de l'empereur aux Tuileries, c'est là que ça se passe ? À Saint-Cloud, la première fois à Saint-Cloud, Metternich y va assez souvent, et donc une sorte de relation... Ça ferait une jolie pièce de théâtre, voilà, ça. Voilà, une relation empreinte de méfiance s'installe entre eux. Car Metternich, bien sûr, ne démordra jamais de l'idée que Napoléon est une menace pour l'Europe, mais en même temps se dit que l'homme est si intelligent qu'il pourrait devenir éventuellement un allié pour l'Autriche face au vrai danger, au pire danger, qu'est l'alliance, une alliance entre la Prusse et la Russie. Eh oui. Ouais. Donc finalement, ils ont une forme d'identité de vue. Voilà, qui va bien sûr, qui ne va s'imposer que lorsque l'Autriche aura vraiment été abattue. Quatre reprises quand même, 97, 1800, 1805, 1809, ça fait lourd, quatre défaites successives. Et là, Metternich, qui a été un adversaire résolu de la France, soutenant toutes les tentatives de coalition, va changer, contraint et forcé son fusil d'épaule, et envisager une sorte d'alliance, pas définitive, mais au moins momentanée, avec la France. C'est-à-dire que la France qui est en train de sortir de la Révolution, Napoléon a établi un empire, il va épouser la nièce de Marie-Antoinette quand même, il épouse l'archiduchesse de Metternich. C'est Metternich qui sera l'artisan vraiment du mariage. La préférence de Napoléon allait à une alliance avec la Russie, avec une sœur d'Alexandre. Alexandre refusait, la mère des enfants refusait, donc c'était impossible. Et alors, peu à peu, s'est forgé l'idée d'une possibilité avec l'Autriche, et Metternich s'est engouffré dans la brèche. Il espérait des atténuations au traité qui avait suivi la défaite de 1809. Il espérait aussi peut-être pouvoir infléchir, et là il se trompait bien sûr, la politique de l'empereur des Français. Donc il espérait de cette alliance au moins provisoire un bénéfice pour l'Autriche. Nous avons plus ou moins conservé l'idée rapide, quand on voit les choses de loin, que Metternich est l'homme sur lequel a achoppé l'épopée impériale, que Metternich est l'ennemi de Napoléon. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça ce que vous nous dites, c'est qu'il était même plutôt une sorte d'allié objectif de l'empereur. Entre 1810 et 1814, entre le mariage de Napoléon avec Marie-Louise et la première abdication de Napoléon, il essaye de louvoyer, il joue un double jeu, à la fois d'alliance avec Napoléon, essayer de reconstituer cette fameuse alliance franco-autrichienne du temps de Louis XVI, et d'un autre côté, il lui faut ne pas trop fâcher les Prussiens et les Russes. Parce qu'il sait, il a le sentiment que d'abord il va y avoir une guerre avec la Russie, que le tsar va perdre cette guerre. C'est sa conviction. Il va se tromper. Mais qu'à long terme, Napoléon est perdu. Et c'est ce qu'il lui dit dans cette fameuse entrevue de 1813. J'en ai la conviction. Voilà, à Dresde. Il est à terme. Donc il lui faut louvoyer entre les deux camps. Le camp russe d'un côté, le camp français de l'autre. Mais une fois que Napoléon a épousé Marie-Louise, bien, la France, c'est un peu la cause de l'Autriche aussi. Et s'il ne parie pas à long terme sur la durée, la survie politique de Napoléon, il va désormais parier sur une régence au nom de Marie-Louise et du roi de Rome,
dès lors que l'enfant est né en 1811. Et Napoléon ne va pas savoir, en quelque sorte, s'appuyer là sur Metternich. Il aurait pu le faire. Oui, il aurait pu le faire. Mais vous savez, à cette époque, c'est le moment où Napoléon commence à ne plus écouter personne, même ses plus proches conseillers, et où il se croit si fort et si invincible qu'il pense qu'il n'a pas vraiment besoin d'alliés. Il a besoin de vassaux, mais pas d'alliés. Et au fond, il aurait pu sans doute bâtir quelque chose de plus solide avec Metternich. Et ça ne s'est pas fait. Et lorsque le vent militaire tourne à la fin de 1813, bien sûr, Metternich va se détacher de cette alliance devenue compromettante et rejoindre peu à peu, mais avec des précautions, le camp des alliés. Et c'est parce qu'il ne rejoint ce camp des alliés que sur la pointe des pieds que le congrès de Vienne n'a peut-être pas plus mal tourné que ça pour la France, on peut le dire. Tout à fait. Il y a trois grands hommes à Vienne, il y a l'empereur Alexandre évidemment, il y a le ministre des Relations Extérieures qui représente le nouveau roi Louis XVIII, c'est-à-dire Talleyrand, et puis Metternich. Oui. Nous allons voir quel est son rôle dans le cadre de ce congrès. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes depuis 14h au cœur de l'histoire d'un diplomate, un homme qui a marqué l'histoire de l'Europe, Clément Metternich. Nous faisons connaissance avec Clément Metternich grâce à votre invité. Vous recevez l'historien Patrice Guénifet qui est aussi l'auteur, Franck, de Napoléon et de Gaulle, deux héros français parus chez Perrin. On peut dire, Patrice Guénifet, que cette période du congrès de Vienne, c'est l'âge d'or de la diplomatie. Les plus grands hommes de la diplomatie étaient là, réunis dans cette ville de tous les spectacles et de toutes les faveurs. C'était un moment magnifique. C'est-à-dire que c'était la diplomatie avec tout ce qu'elle peut avoir d'élégant et de brillant. C'est la première fois depuis le congrès d'Aix-la-Chapelle au milieu du XVIIIe siècle où il y a une pareille réunion de diplomates. Bon, c'est le moment où la diplomatie prend sa revanche sur la guerre. C'est ça. La guerre a occupé l'Europe, rempli l'Europe pendant un quart de siècle, et peut-être même un peu plus. Et là, pour la première fois, la diplomatie prend le relais. Alors c'est un moment historiquement très important, avec une sorte de retour de la grâce propre au XVIIIe siècle. Et c'est un spectacle sans doute très étrange. Sans les derniers feux, c'est le chant du cygne. Sans les derniers feux, c'est comme si un monde qui avait été complètement détruit, dévasté par la Révolution et ses guerres, eh bien renaissait pour un moment dans cette réunion de diplomates où en effet on s'amuse autant qu'on discute. On s'amuse même plus qu'on discute parce que les réunions ont été très rares. Il n'y a eu finalement de réunion générale, de congrès diplomatique, que pour la signature finale au mois de juin 1815. Avant, ce sont des réunions en des apartés, des réunions à quelques-uns, où dominent bien sûr les grandes puissances qui ont vaincu Napoléon, plus Talleyrand, qui grâce d'ailleurs à Metternich peut rentrer dans le congrès. Car Metternich, dans ce congrès, va s'efforcer de modérer l'esprit de vengeance, notamment des Prussiens, qui veulent absolument sanctionner la France et venger l'humiliation de 1806. Il y a des moments où on a presque l'impression que Talleyrand et Metternich parlent de concert aux autres. C'est assez... Oui, parce qu'ils ont notamment la même conviction de fond dans la valeur de la légitimité politique. Et ils ont le sentiment que la Révolution a créé les conditions d'une instabilité permanente en Europe et qu'il faut réenraciner des principes de légitimité. Et de cette légitimité qui découle de la durée, ils ont la même conviction, la même conception. Et de ce point de vue, ils sont très proches à ce moment en 1815, tous les deux. Le congrès de Vienne, c'est un peu le Yalta du 19e siècle. C'est là qu'on se partage le monde, en fait. En tout cas, l'Europe. Les vainqueurs se partagent l'Europe. Les vainqueurs vivent aussi sur l'illusion qu'après tout, on pourrait refermer la parenthèse révolutionnaire, que le 19e siècle pourrait renouer avec le 18e siècle. C'est une grande illusion. Dans cette mesure, c'est un succès. Il l'a partagé, cette illusion, Metternich? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y croit vraiment au fond de lui-même? Je sais pas. Vous savez, Metternich, moi, il me fait penser au prince Salina dans Le Guépard. C'est-à-dire quelqu'un qui sait que le monde ancien que la cause est perdue, oui. Mais qui en même temps ne peut pas se résoudre à adopter pour lui-même le monde nouveau. C'est ça un peu Metternich. Donc, probablement, il sait que, voilà, à terme, c'est fini. Mais en même temps,
il ne peut pas être l'homme du Nouveau Monde, il le déteste trop. On parle toujours du congrès de Vienne, on devrait presque dire les congrès de Vienne, parce qu'il y a l'avant et l'après débarquement de Napoléon à Golfe-Juan quand même. Voilà, il est sûr qu'avant, l'attitude envers la France est beaucoup plus empreinte de mansuétude, fin 1814, qu'au printemps 1815, après le retour de Napoléon et Waterloo. Trop c'est trop. Mais on peut dire que le congrès, son mérite, c'est quand même d'avoir donné un demi-siècle de paix à l'Europe. C'est-à-dire un continent qui avait été ravagé par un quart de siècle de guerre. Donc c'est un grand résultat. Maintenant, la confirmation de la destruction de la Pologne, la négation des aspirations libérales et nationales, fait que l'œuvre devait être éphémère. Et elle emportera, pour finalement ces tendances nouvelles, emporteront Metternich en 1848. Oui, le printemps des peuples, ça n'est pas le sien. Lui, c'est son hiver, si je puis dire. C'est la revanche de l'Europe contre Metternich et contre l'immobilisme qu'il avait cru possible. D'ailleurs, les jeunes manifestants qui sont dans les rues de Vienne hurlent « Abba Metternich ». Abba Metternich est devenu le symbole du vieux monde. Du vieux monde. Oui, c'est ça. Et ça doit être dur, ça. C'est doux amer, en tout cas, pour lui, probablement. Mais il a une fin de vie plutôt amère et plutôt mélancolique, parce qu'il a vu s'écrouler le monde qu'il aimait et qu'il avait cru pouvoir restaurer, au moins pour quelque temps, au moins peut-être pour la durée de sa propre vie. Une certaine nostalgie s'attache aux choses qui disparaissent quand on les a aimées, disait Théodore Monod. Oui. C'est un peu l'état d'esprit général de Metternich. Oui, chez lui, le plus singulier, c'est qu'il n'a pas eu une jeunesse avec cette passion pour le changement qui a été celle des gens de son époque. Lui, non. Il a toujours été du côté de la conservation. Et je pense qu'il a été un mélange à la fois de réactionnaires qui voulaient sauver ce qui pouvait l'être du monde ancien et de conservateurs qui savaient que le prix des choses qui durent. C'était un collectionneur, ce que je n'ai pas eu l'occasion de dire. Il avait des œuvres d'art absolument magnifiques. Oui. C'était un grand mélomane aussi. Il connaissait bien la musique et les compositeurs. D'ailleurs, il finit deux mois avant sa mort. Il écrit une lettre très célèbre à Rossini, qui lui-même avait arrêté de composer depuis des décennies. Et il lui dit, mon cher Rossini, le monde a besoin d'harmonie. Vous devez vous remettre à composer. Ah, c'est beau ça. Donc, il, en quelque sorte, c'est Auguste s'adressant. Vous voyez, c'est un peu le testament de sa vie. C'est un homme qui, au fond, a toujours été attaché à cette idée d'harmonie qu'il associe avec l'ancien régime européen. Il y a chez lui un vrai goût de la vie, de l'harmonie, des belles choses. N'oublions pas le gastronome aussi, car ça a été un très grand amateur de haute cuisine à une époque où elle était en train de s'installer. C'est un peu le Talleyrand autrichien, d'une certaine manière. Tout à fait. Il est le Talleyrand autrichien avec un peu plus de un côté un peu plus de constance. Convenable, oui. un peu plus présentant que Talleyrand. Autrichien, quoi, tout voilà, simplement. Voilà, autrichien. Tout à fait. Autrichien jusqu'au bout. Est-ce que vous diriez qu'il a été un grand politique, un grand diplomate? Silence est en soi une réponse. Non, parce qu'il a quand même beaucoup échoué. Oui. Et à peu près tout le temps, d'ailleurs. Il a rarement réussi ce qu'il avait entrepris. Il a été un grand symbole. Il est le visage de cette Europe qui a disparu avec la Révolution française, qu'il a réussi à faire subsister un peu pendant quelques décennies et qui allait définitivement sombrer au début du XXe siècle. Merci beaucoup, Patrice Gueniffet, de nous avoir fait revivre comme ça le prince de Metternich. Napoléon et De Gaulle, deux héros français, c'est votre dernier livre chez Perrin. Nous en avions parlé ici même. Merci beaucoup. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous allons maintenant suivre Clément Metternich, ce qui nous donne donc un joli petit tour d'Europe avec notre guide Lorena Martin. Et oui, quand on parle de monsieur de Metternich, on parle forcément de la belle Europe alémanique. Bonjour Lorena Martin. Vous nous emmenez où exactement? À Coblence, peut-être, non? Oui, à Coblence, parce qu'on l'aura compris, en fait, Metternich a mené une vie plutôt nomade. Oui. Donc, il est passé par Paris, Berlin, Dresde, Vienne. Mais à Coblence, donc sa ville natale, il reste en fait la maison Metternich où il est né, dans cette vieille ville de Coblence qui date de 1674. Et elle fait aussi partie du patrimoine mondial de l'UNESCO de la vallée moyenne du Rhin. Et au 19e siècle, c'est la faculté de droit qui était située dans cette maison. La maison a subi beaucoup de destructions, comme toujours en partie brûlée, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été reconstruite en 1976 grâce à la ville de Coblence qui a acheté le bâtiment et l'a ensuite mis à la disposition des artistes en tant que galerie. Donc c'est un petit peu une sorte de galerie, de musée d'art contemporain. C'est une bien jolie maison rhénane, hein, avec son grand toit sombre et ses encadrements.
encadrement de fenêtres. À quatre étages. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est aujourd'hui donc à la fois un musée d'art contemporain et galerie qui attire, qui accueille des expositions temporaires et aussi un lieu de rencontre pour les jeunes garçons et filles. Mais c'est vraiment une très jolie ville, ville Coblence. Il faut pas grand chose d'historique, disons. Non, plus vraiment. Nous avons dit qu'il avait séjourné à Paris. Où d'ailleurs on sait. Alors à Paris, il a séjourné à l'hôtel du Prince de Galles, qui était l'hôtel Beauvau, aujourd'hui ministère de l'Intérieur. L'Intérieur. En fait. C'est à côté de l'Élysée, en fait. Rue Faubourg Saint-Honoré. Et puis ensuite, il emménage dans un hôtel particulier du 18e siècle que l'on doit à l'architecte Le Carpentier, situé à l'angle du boulevard Montmartre et de la rue de Rouault. Il va y vivre 3 ans. Et ensuite, comme maison d'été, il avait l'habitude de louer un hôtel au numéro 7 rue de Montmorency à Boulogne-sur-Mer et une maison aussi d'été à Clichy. Ça, c'est ce qui s'appelle de la précision. L'enquête a été menée jusqu'au bout. Bon, c'est quand même à Vienne qu'il faut aller chercher les principales traces de Metternich, voilà, au palais Metternich. Palais Metternich, le Metternich Renweg. Et donc, c'est le palais qui est situé près du Belvédère. C'est aujourd'hui le siège de l'ambassade d'Italie. Et Metternich avait hérité ce palais après la mort de son beau-père en 1797. Au début, c'était plutôt sa résidence d'été, une fois de plus. Il n'y vivait pas vraiment. Il était ambassadeur ailleurs. Et dès 1809, il retourne à Vienne en tant que ministre des Affaires étrangères. Et avec le Congrès de Vienne, ce palais va vite devenir, bien sûr, le centre d'intérêt politique et social. Et il y a un événement aussi qui s'y déroule le 13 mars 1848. Bien sûr, une grande foule de manifestants se rassemble devant le jardin Renweg autour du palais, et certains vont même réussir à envahir le jardin et causer d'importants dommages, et Metternich est contraint de fuir. Oui, et fuir, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il rentrait d'exil assez tôt. Voilà. En fait, François-Joseph le fait revenir. Et c'est là qu'il va mourir tranquillement. Et c'est là qu'il va mourir, en fait, en 1859, après que l'empereur François-Joseph lui a permis de revenir d'exil. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et chaque vendredi, Franck Ferrand vous propose son coup de cœur. Alors là, nous sommes à la veille d'un long week-end. C'est pas toujours moi, mais enfin, aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Mais aujourd'hui, c'est vous. Nous sommes à la veille d'un long week-end, peut-être l'occasion de lire, et vous avez un roman coup de cœur. Oui, je voudrais vous parler d'un roman historique. Vous savez, un de ces beaux récits où le conteur, en l'occurrence la conteuse, devrais-je dire, vous prend par la main et vous entraîne dans l'épaisseur d'événements vrais, mais aussi dans l'émotion d'affaires très humaines. Marina Dedeyan n'est pas une débutante dans le registre. Ses origines russes et arméniennes l'ont sensibilisée très tôt à l'histoire. Elle a grandi à l'ombre des remparts devenus vains, d'aigues mortes. Elle a pris de bonne heure l'habitude de nous plonger, devrais-je dire, dans de grands épisodes du passé. Il suffit de se rappeler son aigle de Constantinople, qui était un grand succès, ou ses vikings de Novgorod, de solides romans historiques avec des personnages bien campés, des notations bien senties, des situations bien construites. Situation cornélienne à souhait, c'est ce qu'on aime dans ce genre de roman. Et bien cette fois-ci, elle nous emmène, on a un peu vite oublié qu'elle était née à Saint-Malo, après tout, elle nous entraîne dans un univers plus proche de nous dans l'espace et dans le temps, puisque nous explorons la Bretagne de l'occupation. On remonte à 1942 pour suivre les parcours de trois frères, trois fils d'un père privé de parole, trois fils que leur tempérament et les circonstances vont amener à faire des choix assez différents, de la résistance très vigoureuse aux franges de la collaboration. Belle occasion de rappeler que lors de la dernière guerre, certains Bretons ont cru pouvoir s'appuyer sur l'Allemagne nazie pour faire triompher leur rêve d'indépendance. Tant que se dresseront les pierres, c'est le titre de ce chant d'amour à la Bretagne éternelle. C'est la Bretagne, c'est quand même une guerre de mégalithisme, de paganisme celtique, mais aussi d'un christianisme très fervent. C'est un pays de chouannerie qui plus tard devient un foyer de communisme. C'est une zone refuge pour beaucoup des déracinés de la guerre et en même temps un paysage meurtri plus que d'autres par les bombardements alliés. Ce roman est idéal pour l'été, vous l'aurez compris. Il est publié chez Plon. Je vous rappelle l'auteur et le titre. Tant que se dresseront les pierres de Marina Dedeyan.